Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est Oscur, on est de retour. Et on n'a pas encore terminé tout ça. Je vais vous montrer une petite partie de Gambit, parce que ça me pète un peu les couilles, je ne vais pas vous le cacher. En réalité, en gros, la quête qui est après celle où il faut récupérer les lumières et faire des. Tuer les man. Les comment on appelle ça, hein, putain, les marionnettes de Savatoon, c'est ça. Et en fait, il faut que je fasse il faut faire des parties de Gambit, alors. Et de justice. Alors Gambit, il me semble, je sais pas si c'est justice qui est mieux ou pas, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut au moins trois parties de Gambit, faire des frags abyssaux, bien sûr, je sais pas combien exactement, et des frags multiples de précision pour y arriver. J'ai pas encore terminé les frags multiples de précision. Cependant, pour l'instant, on est sur un solide 100% de PVP possible. Enfin, 100% de Gambit plutôt. Je trouve que c'est de la merde, mais bon, je suis un peu obligé de le faire, donc je le fais. D'ailleurs, j'aimerais savoir où est-ce que j'en suis dans les quêtes, dans les autres quêtes du Gambit, exactement. Parce qu'il me semble que j'en ai une qui consiste à péter les gens, empêcher les gens qui s'en produisent. Et je sais pas où elle en est. Éliminer des envahisseurs dans le Gambit avant qu'il n'ait plus éliminé un autre coéquipier. Mais c'est jamais déjà fait ça. What? Avec un revolver? Ah oui, parce que peut-être que c'est avec un revolver. En fait, le truc, c'est que ça pue la merde parce que à chaque fois que tu veux éliminer un mec ou que tu veux faire du PVP, le sniper est Allez, juste beaucoup trop touriste, fort. c'est parti pour un tour. On Donc attaque le la revolver, base. je l'utiliserai jamais pour ça. Par contre, je vais l'utiliser pour autre chose. Déçu à Parce que comme vous l'os. pouvez le savoir, je dispose d'un revolver actuellement. C'est parce que Soyez ça me fort, permet de mieux soyez faire des vaillant. headshots et donc 5-14 peut des éviter frags les multiples de fichus précision. couteaux. Alors moi, normalement, je suis un Paraît joueur qu'il est full mort, PvE. comme Hein. les gens d'autres. Je vais pas vous le cacher. Je suis un joueur full PvE dans ce jeu, Préparez-vous au dans combat et ce déposez Gambit. ces particules à la banque. Il dit Gambit, mais j'en ai rien à foutre, c'est le Gambit. L'ennemi en approche dans le centre de Parce que je parle contrôle. de Gambit Gaming, moi. Les Russes, ils jouent à LOL. Alors, le but c'est de viser la tête. Après, si l'autre fait des coups de grâce, comme ça, et qu'il pète même pas les collectionneurs, qui sont les seuls mecs avec qui je peux pas faire de précision, ça va me péter les couilles. Hop. J'ai envie quand même de vous montrer un petit peu quelle est la quête un peu que je dois faire pour que vous compreniez ma douleur. Je l'ai pas two shot. Allez. Je l'ai pas two shot en faisant deux frags de précision. Au corps à corps. Pas vous pourtant. Après, avoir une arme pièce maîtresse, c'est bien, c'est pas mal aussi parce que ça permet de. Ça le two shot pas, ma vie est nulle. Ça permet de savoir lorsque tu fais effectivement un frag multiple. Est-ce que tu génères un orbe de lumière? Alors, tu vois, serviteur par exemple, ça me pète les couilles. Salope. On s'emmerde. On s'emmerde de ouf. Allez. Oui, on a compris. Pèteur de couilles professionnel. Alors, d'habitude, je me dis, machin, je vais quand même balancer quelques petits moyens bloqueurs, mais en fait, la stratégie d'attendre pour faire un gros bloqueur, elle marche bien en vrai, en solo, en tout cas. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que. Sérieux, j'ai pas appuyé, j'ai pas eu le jetpack. Je tombe sur les deux seules personnes que je veux pas avoir, c'est-à-dire un serviteur donc, qui est ultra tanky, et un collectionneur que je veux pas sweet spot. Ah, un intrus! Alors la partie fun! La partie fun du Gambit! Putain, mais je vais me faire buter avant! Laissez-moi tranquille. Y a moyen qu'ils viennent sur moi? Y a moyen qu'ils viennent sur moi parce que je suis sous-sol, mais. Je sais pas ce qu'il branle. Ah, il est là-bas. L'intrus a quitté la zone. What the fuck? Allez. Il s'est baissé. On est dans Counter-Strike. Le mec tire et il se baisse. J'y crois pas. Allez, c'est parfait. On a le big blocker. Je crois que je vais certainement utiliser mon super parce que là, au bout d'un moment. Oh, il y a trop de merde. Il y a trop de merde. Allez, cassez-vous. Allez, allez, cassez-vous. Oui. Je me fais péter par je sais pas quoi.
Allez, casse-toi. Voilà. On a en un truc, on a quasiment. On est tous revenus au score. Je discutais avec un gars d'ailleurs, plus tôt dans l'année, qui jouait beaucoup à Destiny 2, plus que moi d'ailleurs. Ce qui dans mon cercle d'amis est assez peu fréquent. Et qui me disait, en gros, parce que lui il avait déjà joué pas mal au Gambit, que. Bah, c'est un jeu où finalement, plus tu y joues et plus tu te rends compte des limites et des problèmes du bordel. Bon, comme pas mal de jeux, vous allez me dire, mais les problèmes ils sont là quoi. Et c'est vrai que, en fait, mine de rien. Là, bah, j'ai hâte de me faire one shot. J'ai pas une super vision là de ce qui se passe. Ah bah tiens, il est là-bas. J'ai fait de la merde. Bien joué à tous. Il m'a one shot avec une arme. Avec un LMG. Bien joué à lui. Il m'a one shot avec un LMG. C'est intéressant. Il est où? À peu près? On sait pas. Ok, on sait pas. Alors. C'est là-bas. Bon, notre partie est un peu dans la merde, je vais pas vous le cacher. On est un peu dans la merde. Moi j'en ai rien à foutre, moi je veux des frags de précision. Les autres je les faisais pour gagner et pour faire les frags de précision, là j'en ai rien à foutre, hein, je vous avais. Le problème c'est que j'arrive pas à trouver. Voilà. Eux là. Je vais me faire tuer. Ouais. Je vais me faire tuer. Ouais. Je sais pas pourquoi je les touche pas. Je les touche mais je les touche pas. Allez, on va le faire. Allez, 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 allez. Ok, on a touché trois fois la tête, il s'est rien passé. Ouais, on est sur. On est sur une manche bien. Là, on s'est bien fait éclater le cul. Je savais que j'allais me faire éclater le cul quand j'allais record et que après deux victoires de suite. Ça, c'est normal. Ça, j'avais prévu. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on va faire la blague. Mais en gros, il y a énormément d'informations qu'on montre, mais c'est jamais les bonnes. C'est-à-dire qu'on voit à peu près. Il voit. Comment dire, on a à disposition le nombre de particules que les ennemis ont et le nombre de particules qu'ils ont effectivement rentrées dans leur banque. Mais on s'en fout de ça, en fait. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est plutôt si les bloqueurs qu'on a posés sont toujours là ou pas. Parce que c'est les bloqueurs qui sont réellement handicapants pour les adversaires, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs fragments avant. Donc on en a un peu rien à foutre de ça. Il y a pas mal d'informations qu'on aimerait avoir, mais on n'a pas. Et du coup, les informations qu'on a à disposition, elles veulent absolument rien dire. C'est un peu comme au football, quoi. C'est-à-dire que ton équipe, elle gagne 1-0, mais si t'as une frappe cadrée, voilà. Qui gagne réellement? Qui domine réellement dans la rencontre, tu vois? Je me suis fait one-shot parce que je me suis pris un coup de fusil à pompe. Ils sont partis. Ils se sont fait... Ils sont partis. Ils sont partis acheter du lait. Hop. Putain de merde. Je vois pas pourquoi ça me fait autant de dégâts, mais c'est normal. C'est pas normal. Bon, allez. Ils vont pas me réanimer, je le sais, vite. Ok, merci. Je peux pas te faire de passe-row, il va falloir que tu passes. Allez. Allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Yes, je viens d'y arriver. Je viens d'arriver, c'est parfait. Alors. Hop. Yes. Ah. Casse-toi, bordel. Ok. Ça compte pas comme un frag des frags multiples parce que le mec m'a foncé dessus. Hop. Ok. Ok. Et là, par contre, je les touche hautement. Attends, quoi?
Ok, d'accord, c'est d'accord, c'est une étape de quête, très bien. Par contre, ça c'est pas une étape de quête. Très bien. Écoutez, bah, je viens d'avoir un drop exotique en gambit. Bah écoutez, à l'attaque, hein, j'ai envie de dire. On va voir ce que c'est à la fin, mais. Alors, du coup, ils sont deux, ils me pètent les couilles. Voilà. Ok. Allez, vite, 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 vite. Il s'est. Ok. Où est-ce qu'ils sont? Là, viens. Bon, il me fait. Il est dodo. Même quand je lui tire dessus. Je teste. Allez. Il est venu devant lui. Il est venu devant lui. Je déteste. Oh, la tête est petite. Deux. Ah. My time. My time to not shine. Où est-ce qu'il est ce... Oh. Ah, il est là-bas. Ah. Viens là. Merci. Exploiter l'avantage. Hop. Oh, tu me pètes les couilles. Tac. Hop. Broum broum. Encore. Et je peux pas tous vous sauver? Il est où encore lui? Ok, il est pas là. Ah, il est là-bas. L'intrus a quitté la zone. Bah. D'accord. Allez, allez, on est parti pour prendre le TGV. Ah merde. Faut vite que j'ai mes frags. Putain, mais ils sont où? Oh sa mère. Tellement pas de chance. Toi, c'est pas ce que je cherche. T'es pas ce que je cherche, vite. D'autres gens. Putain, mais il y a deux collectionneurs, un capitaine. Mais bordel de merde, il y en a deux. Parfait. Encore un. Aïe, aïe. Ok, encore un. C'est fait one shot. Mais bordel! Pourquoi je fais one shot? Allez. Putain. Il me pète les couilles. Il dodge toutes les 3 secondes. Oh, l'autre il se met à couvert. Je le teste. Je le teste ce garçon. Je crois que c'est mes soucis là. C'est le cadet de mes soucis. Bah, ça c'est le cas. Apportez ces particules à la banque. Il est temps d'accueillir un primordial. Votre intrus est éliminé. Ah, je dois vous avouer qu'on est mal barré. Hein. Normalement, là, si on. Ouais, non, c'est terminé. C'est terminé. Hein. Je vais balancer mon explosion pour le. Voilà, voilà, même pas. Ah! Mais bon. Alors on en est à combien à peu près? 95, un truc comme ça? Ah non, j'étais fini. Ok, parfait. Parfait. Déchiffrer entre présent au décodeur sombral. La branche est rassasiée et liée à par un engramme formé grâce aux incantations d'Eris. Le présent est prêt à prendre sa véritable forme. Ça veut dire quoi? Écoutez. J'ai pas mon brevet d'archéologie. Donc l'araméen, tout ça, vous allez arrêter tout de suite.
Casser, je veux me casser, merci. Alors, non, en vrai, je crois que ça veut dire. J'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre! Oui, épique 1, oui. Bon, je suis en épique 2, mais. Non, je... Ah non, c'est vraiment en épique 1, c'est ça. C'était Intrépide que j'étais avant. C'est ici. Ah, c'est ça, parfait. Parfait. Yes. On a mis 15 minutes à faire une partie que j'aime pas, sur un mode de jeu que j'aime pas. Alors, c'est quoi que j'ai eu? Home de Fellwinter. Les frags de mêlée complètement chargés. Ah, créer une explosion d'énergie qui affaiblit les cibles à proximité. Ok. C'est très très stylé comme, comme home. Extrêmement stylé. Comment lui éclater sa mère en un seul revêtement? Ra! Non, vas-y, on va essayer de trouver. Ouais, non, ça pue. Là, ouais, non, mais même ça, c'est. Ça? Ouais, si, quand même, celui-là, il est. Ok, non. J'ai rien dit. Ça pue. Non, ça, c'est ok. Franchement, ça, c'est ok. Ça pue. Ça, c'est ok. Ça va. Ça, c'est. J'aime pas cette texture, en fait. Ça va. Ça, c'est ok. C'est ok. C'est très ok. Ça c'est ok. Ça c'est stylé quand même. Avec le revêtement en full, c'est intéressant. Bref. Allez. Après l'effort, le réconfort, je lag parce que j'ai toujours l'aperçu d'OBS activé. Où est-ce qu'on fait? C'est là. Parfait. Alors. On est type A. Donc toi tu t'en fous, on est d'accord. Alors. Ah, la branche que vous a conférée la pyramide égorgée. Égorgé d'énergie paracausale et lié à vous grâce à la modification des rituels malveillants de Savatoun par Eris. Contenue par une structure d'engramme, elle est prête à être forgée dans le décodeur ombral. Alors que vous l'attrapez, son vide glacé vous pique brièvement les doigts avant de disparaître en ne laissant pratiquement aucune trace. Il tend pour ce don d'acquérir sa forme finale. Effigie désastreuse. Envoyé au commis des postes, c'est donc soit une arme secondaire, soit une arme tertiaire. Si c'est une arme tertiaire, je me bouffe les couilles que je n'ai sur la tête. Voilà. Les couilles sur la tête. Haha. Oui, j'ai pas de couilles sur la tête. Alors. Tout ça, ça pue. Si j'ai l'arme Vorpal, c'est pour ça. Là, j'étais fusil à fusion, mais qui aime les fusils à fusion, bordel? Je sais que j'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais qui aime les fusils à fusion? Va falloir se le dire. Ça a du recul de tarba. Quand tu tires, la gâchette, elle fait de la merde. Le seul truc que tu peux faire, c'est spammer les clics pour faire bup 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 bup, mais c'est tout. Put! Ah. Bon, l'avantage, c'est que je peux me débarrasser de celle-là, mais. Putain. Ok. Du coup, on a terminé cette quête enfin. Enfin, ça a pris 1000 ans. Et non, je vais pas vous laisser sur ça, mais on va un peu tester cette arme exotique. Mais on a terminé en gros le contenu pour cette semaine, hein, je crois. Alors, déjà, on a un engramme parfait. Bon, c'est un fusil à rayon, c'est ok, mais munitions spéciales, j'aime pas du tout. Bon. J'ai encore eu un fusil Juan. Ouais, j'aime pas ça. Parfait. Alors, 1025. Toujours les armes exotiques, elles te ralassent bien en termes de puissance. Alors, je vais juste. Putain de merde. Je vais juste vite fait aller voir dans les coffres pour y envoyer des trucs que j'ai pas envie. En vrai, j'utilise beaucoup de Rolex Off, c'est ouf. Tu as combien? 438 sur 500. On n'est pas si loin. Faut faire gaffe. Mais ça, par exemple, je sais pas pourquoi j'ai les deux. Ça sert à rien, par exemple. Bref. Vite, donc. Ça, j'en ai pas besoin. Donc. Ça, c'est un fusil à impulsion. Ça, c'est un pompe. Ça, c'est un arc de combat dont j'ai pas besoin. Télémitrailleur. Comme c'est que j'ai déjà le fusil automatique qui fait ça, quoi. Mais le problème, c'est que ce fusil-là, il n'a pas beaucoup de. Ouais.
Il lui manque de la puissance maintenant. Il est un peu derrière. Fusil à fusion, j'ai dit que personne n'aimait ça. Oui, j'ai déjà un fusil à pompe. Okay. Ça, je vais devoir l'enlever après, je pense. J'en ai pas envie. Le truc, c'est que lui, il a des bons atouts et lui, il est plus haut. Pas de chance. On va voir ce que c'est. L'effigie des êtres. Ouai, aïe, aïe, aïe. Ouai, aïe, aïe. Ah oui, en effet, c'est particulier. En sphère de transmutation abyssale, intéressant. Ah! De protéger des combattants à proximité ou les drainer. En attaque longue, attaque légère. D'accord. D'accord, vous avez pété un câble, mais ok. Ah, et on sait absolument pas comment est-ce qu'on. D'accord. Et j'ai pas d'ornement. Ok. Si je fais ça, j'entrepose, ouais. Tac. Normalement, ouais. Tous les emplacements. Et je me suis barré! J'ai pas appuyé deux fois sur Escape. Voilà, c'est bon. T'as ce bruit quand tu débloques un truc là. Quand tu mets un exécutant de ton inventaire. Ouai, aïe, aïe! On dirait une guitare, sa mère. On dirait un instrument de musique. Ouais, on va commencer, mon bro. Les boîtes anti-extinction, très bien. Il dispose d'une puissance abyssalement élevée de 1022. On est de plus en plus fort. Il faut se le dire. Du coup, ça et ça dégage. Gardien! J'ai un serpent dans ma botte, gardien. Ok. On va aller tester ça. Par contre, on est d'accord que c'est bien cette arme-là dont on a un revêtement dans la boutique. Ça, exactement. Ah, il est autrement plus stylé, là. On va pas se le cacher. Bon, il est pour 700 argentum, donc... C'est-à-dire... c'est pas cette balle, je crois. Si? Si, c'est cette balle. Techniquement, cette balle. Ouais, ok. Bof. Moi, les 100 argentum que j'ai, c'est le. Ça, c'est si, pardon. Les 100 argentum que j'ai, c'est ceux que j'ai eu parce que j'ai payé 10 balles pour le pass, quoi. Mais bon. Du coup, on n'a plus de quête de la saison, on est d'accord. On n'a plus que Faites face aux ténèbres. Ok, donc on a terminé, globalement. Alors après, ça, c'est des assauts de nuit noire, c'est des boss avec des frags abyssaux, des points. Honnêtement, on peut faire des trucs, hein. On peut faire des trucs. On peut faire un petit assaut nuit noir là actuellement. Le problème c'est qu'il n'a pas changé par rapport à la dernière fois, donc toujours le même. Mais bon, allez, hein, c'est parti. On n'a plus rien à faire, donc autant se faire plaisir. Donc c'est bien un abyssal, ouais c'est ça. Fusil rayon abyssal. Alors du coup pour faire plus de dégâts abyssaux. On va changer de lance-grenade. Chaîne de Markov, bordel. Des frags de mêlée avec des frags réalisés, etc. Putain, c'est vrai que Monte Carlo est quand même vachement stylé. Je vais pas vous le cacher. On sent que c'est vraiment la Tchad. Tchad arme. Tchad fusil automatique. En ce qui concerne d'ailleurs les armes exotiques, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des armes exotiques qui me sont encore. Caché, ils me sont inaccessibles. Non. Bon, le quatrième chevalier, on ne l'a pas encore et je pense qu'on va l'avoir de manière dans une autre quête. Tarba, bien sûr, hein, qu'on a dans le courant du malheur. Donc ça, c'est un raid. Ça, c'est une quête, donc certainement, ouais, certainement autre chose. Certainement, un truc que j'ai pas encore. Certainement, d'ailleurs, ça doit être. Doit être où est-ce qu'elle est, qu est celle-là, ça doit être ici. Il faut que je bute des vex, c'est pas n'importe quel vex, je crois. Les seuls reclus vex, ouais, c'est pas les vex actuels, c'est les vex comment dire, les vex qui ont des plantes sur la tête. Je crois que c'est la meilleure description que je pouvais faire. Enfin, franchement, cet équipement avec le péché Nézarek. Il est vachement stylé, putain, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Cette puissance. Et après, au bout d'un moment, t'as l'effigie désastreuse qui arrive et qui.
On inverse les couleurs, c'est une masterclass, hein, mais bon. On va pas vendre la peau de l'ours et on va attendre vite fait que ce que de voir ce que ça vaut en véritable partie quoi finalement. Tac. Alors oui, en faisant le gambit, je me suis rappelé qu'il y a une, il y avait une. Par contre, c'est de l'écran noir que je vois là. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Très bien, mon ami. On va faire un nuit noire péril sans que mon écran devienne nuit noire, s'il vous plaît. Bref. Qu'est-ce que je voulais faire? Tac, tac, tac. 1019. Ouais, donc c'est moins bien que 1020. Mais hein. Ouais. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le jeu. Est-ce que je le bute? Impact. T'as de la chance. T'as vraiment de la chance. T'as vraiment de la chance. Ah, ça c'est impact aussi. Ah. Et ça c'est impact aussi. Ok. Niquer ta race. Attends, c'est niveau combien? 2. Ok. Pas de chance. Vraiment, je t'ai laissé toutes les chances possibles. On est à 107. Yes! Alors le problème, c'est que il me semble que actuellement nous sommes le combien d'ailleurs? C'est le mercredi. Donc c'est dans 2 jours que Xur apparaît. Oh, putain. Oh. C'est moins dégueulasse que ce que je pensais. Alors c'est le Pyramidion, donc c'est par là, hein, c'est ça. Bon, en fait, non, ça va. C'est pas le même assaut de nuit noire. Donc c'est ok. C'est celui de Yo. Appelle comment d'ailleurs? On sait pas. C'est un des deux normalement. En fait, on dirait même pas une arme, c'est ça qui est bizarre. On dirait un cube, un objet qu'on a trouvé quelque part, genre un rocher, et on a foutu un canon dessus. Par contre, ce bruit est incroyable. Très très stylé. Par contre, j'ai 2 armes avec des munitions spéciales et ça, c'est vraiment pas ouf. C'est qu'on va finir, on va finir à court, à finir à sec dans pas longtemps. Je sais toujours pas pourquoi est-ce que on nous laisse pas conserver les. Et donc du coup c'est ça. Je peux la prendre. Et du coup ça me donne le catalyseur. Et je suppose que ça va avoir un rapport avec ça. Merde. Ça, j'ai désintégré parce que j'ai changé d'arme à ce moment-là. Parti, hein. Donc c'est 30 secondes que je la garde. C'est extrêmement stylé par contre, on va pas se le cacher. C'est extrêmement stylé. Fuck, je suis pas là. Elle est où la sphère? Elle est là. Aïe! Ça me bute quand même, hein. Par contre, c'est pas une parade parfaite, hein, par contre. On n'est pas sur l'épée munitions lourdes. TKT frérot, je te protège, je te mets bien. On est sur. Quelque chose d'un petit peu plus low cost. On est que sur du 3 étoiles. Ouais, butez-le en fait. Empêchez-le de survivre en fait. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Incroyable cet homme. Stop gobelin. Fuck. Je déteste le gobelin. Surtout quand j'ai one shot pas. Alors. Il est tombé. Et je vais devoir attendre. Ah. Ça m'a one shot. Très bien. Bien joué à eux. J'étais littéralement dans une faille. Bien joué à eux.
C'est la première fois que ça m'arrive en 3 ans de. En faille curative, c'est ça. C'est la première fois que ça m'arrive en genre. Même pas 3 ans, hein. On est parti sur pas mal de 10 ans en fait de Destiny que. Un ennemi non-boss me tue à travers ma faille. Je pense pas que ça arriverait un jour. J'ai jamais vu ça. Alors la question c'est, est-ce que je tombe? Ok, c'est intéressant ça du coup, à savoir. J'ai pas pris de dégâts de chute. Je sais pas si j'en aurais pris à cette hauteur. Oh, ce dunkage quoi. Allez. Ah, je l'ai pas formé pour le coup. Donc c'est pas tout le temps, c'est pas 100% du temps. Ah putain, ce viseur est étonnamment précis. Par contre, je vais avoir l'impression d'avoir un. Je vais avoir l'impression d'avoir un engramme légendaire à chaque frag à peu près. Alors qu'en fait, non, ce sera une sphère bizarre. Pour vous dire qu'on n'a pas exactement le meilleure configuration là, on vient de perdre un échec critique. Je suis tombé. Je ne comprends pas pourquoi. Putain, mais what the fuck? Putain, c'est en plus c'est tellement closed des deux côtés quoi, c'est incroyable. Puissance conseillée, encore un bug magnifique. Allez, tu vas y arriver. Et confiance en toi, bien joué. C'est bizarre que ce soit pété dans les deux sens. Dans aucun sens. En termes de level illusion, ça fait aucun sens. Parce qu'en fait, là, à gauche, je veux bien parce qu'on le voit pas. Enfin, on le voit, je veux dire, arriver, donc c'est normal qu'il y ait ce genre de merde. Par contre, à droite, on le voit absolument pas que c'est quand même pété. Et ça n'a aucun sens. Dommage qu'il n'y ait pas un truc où on peut lancer la boule. Bah génial. Ah mais j'ai rien moi en fait sur ça. Ça va me tuer. Parfait. Ah voilà, pourquoi les ennemis sont pas tous comme ça? Par contre c'est pas du jeu hein. Attends, vous avez vu la distance à laquelle ils étaient quand même? Bon, le chargeur de 94. Alors on a fait des tests. On a fait des tests avec des gens. Avec des professionnels qui ont testé ça pendant les parties de Gambit. De Gambi. Et bah on a réussi à savoir qu'en réalité il s'agit des munitions précisément parfaites pour l'équilibrage de notre arme. 94. Pas plus, pas moins. Bien joué à tous. Et là en fait je dis de la merde et c'est une référence obscure à un livre. Ou un joueur décédé. Et là c'est le pompon. C'est le premier frag en fait qui fait spawn ça. Et pas que, d'ailleurs. Gros nul. Fils de pute, va. Parfait. Je suis assez foutu de sa gueule. Que j'ai que ça à foutre. Parfait. Pas très stylé quand même, décidément. On est sur de la puissance pure. Donc malheureusement, comme c'est un fusil à rayon, c'est pas une arme sur laquelle t'es censé gâcher tes munitions. Je sais que tu peux le faire avec les munitions principales, mais les munitions secondaires, quand même, on te dit ouais, hein, oh. T'es pas censé faire toute la mission avec, quoi.
Mais laisse-moi tranquille, bordel. Mais vous êtes là-bas, vous? Mais non, on est où là? Et même pas, je vous, même pas, je vous calcule. Hop. En vrai, je pense que c'est plus opti de faire le clic droit tout le temps. En vrai, je pense pas que ce soit utile de garder la, la boule plus longtemps que ça. C'était de la merde. C'est de la merde, je vais me faire immobiliser au pire endroit. C'est bon. Parfait. Toi qui me pète les couilles là encore. Hobgoblin encore. Putain, même en corrompu, il me pète les couilles. Incroyable ça. Bon. Cette sphère tout entière est une structure de traitement dédiée. Un relais informatique Vex géant. Et ouais. Donc, évidemment, là on est toujours dans un solu noir de type que vous pouvez faire à la maison. Bon, du coup, faut tomber sur la bonne rotation, c'est la bonne semaine. Mais vous pouvez toujours le faire en manière en non nuit noir. Ou alors en nuit noir, mais pas nuit noir péril. Et dans ce cas, il va falloir le faire avec une équipe parce qu'il n'y a pas de match checking. Hop. Un peu le point noir du bordel. Ce qui est normal parce qu'en fait, comme on a un multiplicateur que tu peux personnaliser assez énormément, essayer de trouver des escouades avec exactement le même multiplicateur. Après, il devrait quand même donner. Eh, il devrait donner la possibilité à une file en mode. Mais putain. Oh, ça me pète les couilles ces adversaires là. Allez. Mourez, 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 mourez. S'il vous plaît, mourez. Alors. J'avoue que ce truc là est pas mal aussi. Tac. Il va le péter. Parfait. Ok. Cette infection vous semble-t-elle familière? Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait encore celle-là. Oh, je déteste cette zone. Où est-ce que j'étais cette zone? Vous allez me dire. Alors, rien de problématique là. Bon, c'est des plateformes, mais rien d'insurmontable. Pour l'instant, je suis pas tombé, ça c'est sûr. Mais si je tourne une fois, je peux vous assurer que vous allez m'entendre. Allez. C'est parfait, allez. Mort un peu là, s'il te plaît. Parfait. Ça me fait pas gagner énormément de momentum. Ça va. Pour l'instant, les dieux du. Les dieux des bumpers corrompus ont l'air avec moi, donc ça me fait plaisir. On se baisse parce que comme ça quand il va nous sauter dessus on va le taper instant. Parfait. Ça y est, enfin le boss final. Grande finale. Yo yo yo. J'ai hâte de voir ce que ça va faire sur un boss. Ou sur une faille. Oh la faille, elle prend cher. Hein. Je crois que c'est pas que moi, mais. Ah ah, prends ça. Oh, intéressant. J'ai pas pris le knockback du coup. Ouais. Voilà, parfait, parfait, parfait. Vas-y, 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 vas-y. Compte-toi. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Là je parie et là je ne prends pas le deck knockback et en même temps je prends les dégâts réduits. Et là 1, c'est bon, parfait. Genre en mode ça va rester tout le temps là même à 1. On m'a menti. Fuck. Ah j'ai baissé ma garde, littéralement. Allez mourir, mourir, mourir un peu. Ah c'est pas ce que je voulais. C'était pas les ennemis que je voulais tuer. Pas ceux qui m'explosent à la gueule, de préférence. Merde, y'a vraiment ça. On les a tués là? Non, c'est bon.
Enfin, j'ai cru qu'on avait déjà gagné quoi. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Yes! Allez, prends ça par contre, dans ta daronne. Maintenant, paye pour tes actes, enfoiré. Ah, bon bah non, du coup. Non, t'as droit à une seconde de répit, c'est bon, tu m'as saoulé. Je sais pas si je tue en un chargeur. Ouais, quand même. Je vais pas pouvoir bouger. Parfait. Fois 0,5, yes, c'est parfait. J'ai on a mis 15 minutes pour cet assaut là, j'avoue que c'est du drôle. Hein. Non, non, je prends ça. Merci. Ok, c'est pas le meilleur assaut de ma vie. Je vais pas vous le cacher, mais bon. Je pense qu'en effet que les vestes peuvent se charger du reste. Les vestes peuvent se charger du reste. Non. Non, c'est pas ce que je voulais. Alors, par contre, du coup, on a eu un catalyseur de cette arme, du coup, en utilisant pour la première fois une boule. Des sœurs de transgénération. Ou détruisez des yeux de Savatoon pour débloquer cette amélioration. Des yeux de Savatoon. Très bien. Ah, ok. Ah, ça, par contre, on va pouvoir le montrer. Ça, par contre, on va pouvoir le montrer. Des yeux de Savatoon, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que les yeux de Savatoon? Bon, je crois que j'ai compris maintenant ce que c'est. Je crois qu'enfin on va ça va servir à quelque chose. Oui, ça c'est oui. Oui, je l'ai vu. On l'a tous vu. On va aller à Titan. Parce que c'est le plus près, je crois. Il y a aussi Io aussi qui est pas loin, mais voilà. À l'attaque. Vous allez voir. Je crois que je crois qu'il s'agit des fameuses petites boules bleues que nous avons vues à chaque fois. Je sais pas que je spawn avec des munitions spéciales, sinon ça va mal se passer. Je vais vous le cacher. Parce que j'ai vraiment la flemme d'aller farmer dans Titan tout le bordel et tout, alors qu'on est déjà à 42 minutes de VOD. Qui fait longtemps quand même. On est. Normalement on devrait s'arrêter là, mais bon. Allez, c'est un petit plus. Ok, c'est bon. On a suffisamment de quoi faire. Donc là on a Sloane, tranquille, salut, wesh, wesh. Et là en fait, regardez, là-bas, on a cette chose là. Et ça, on peut l'éclater. Et on a gagné combien à peu près? Est-ce que c'est worse en fait? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais. Et là, en fait, si on décide d'aller. Je sais pas moi, sur Io. Et ben, on va voir la même chose. Et on va pouvoir faire exactement la même chose. Et ça, ce sera beau. Tac. Pas si vite. Pas du tout. Les temps de chargement de Destiny 2. Mais sinon, voilà, globalement, aujourd'hui, on a fait pas mal de trucs. Alors, bon, je sais pas s'il va y avoir des renouveaux chaque jour. Parce que ce serait quand même assez chaud, quand même, d'avoir du renouveau chaque jour, du nouveau contenu à chaque journée. Mais au moins, d'avoir du renouveau au moins toutes les semaines, ce serait pas mal. Parce que là, bon. Je demande pas non plus la lune parce que je vais vous avouer que là, il reste 66 jours. 67 jours, je veux dire. C'est pas mal. Ouais. Quoi? Saison achetée, saison de l'arrivée et saison de censurer. Je crois qu'ils ont ils ont mis un spoiler dans celle d'avant, mais c'est bizarre. Attends, je vais attendre 1000 ans. Il va falloir que j'attende le rang 30 pour avoir cette putain de guillotine, bordel. Et du coup, je suppose que le fusil à impulsion, il en est où? Ouais, il est là, ok, d'accord. Du coup, je l'aurais pas avant. Intéressant. J'ai mis ça du jeu. Ok, c'est intéressant, mais c'est 150 de vitesse, donc ça pue. Non, c'est 160, j'ai rien dit. Vous êtes juste là pour regarder mon bras. Je vous demande de partir immédiatement. Non, 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 flemme. Et donc, ok, ça c'est intéressant, ça. Au niveau du pass, faut qu'on... Je vais voir. Alors oui, c'est à partir du niveau 64, c'est ça? On voit rien avec votre connerie là, je vais vous avouer. Donc à partir du niveau 64, on commence enfin à voir les ornements de l'armure qu'on a. L'armure de. Tu passes. Et on termine d'avoir tout ce bruit.
Ou leur le moins incroyable. Mais c'est pour le mettre sur n'importe quoi. Ok. Et on a même une, putain, on a même une un ornement d'arme pour la guillotine, incroyable. J'ai l'impression qu'il y a moins de trucs. Et enfin, on a le on a ça. Et à la fin, du coup, ça nous donne une toute nouvelle nouvelle armure comme ce qu'on avait eu pendant le pass dernier et ce magnifique revêtement d'armes pour le lance-virus. Plus en plus d'un engramme exotique. Alors je sais pas ça, c'est un nouvel exotique que nous ne possédons pas encore. Alors, on est d'accord que on ne peut avoir des exotiques que des exotiques qu'on n'a pas eu par quête. Je suppose. Le problème, c'est que les armes, en tout cas cinétiques, ça, c'est une quête. Ça, c'est une quête. Ah non, même pas. J'ai de la merde, alors. Donc ça, c'est pas une quête, du coup. On va pouvoir l'avoir, alors. Ça, c'est une quête. Ça, je sais comment on peut le faire. Ça, c'est une quête. Ça, c'est une quête. Ça, c'est une quête. Ça, c'est un engramme. Ça, c'est une quête. Et ça, on ne sait pas. Intéressant. Ça, c'est une quête. Ça, c'est un raid. Et ça, c'est une quête. Ça, c'est une quête. Ça, c'est un raid. Ça, c'est un raid. Ça, c'est une quête. Et ça, c'est le révélement des jeux des gardiens. Ok, stylé. Donc l'avantage, c'est que dans les colis des armes exotiques, on aura donc maintenant plus aucune arme puissante. J'ai eu toutes les armes puissantes possibles. Ça me fait plaisir parce que je les aime pas. Voilà. C'est frustrant les armes puissantes, j'en peux plus. Et après donc il y a le verset d'Astrocyte que j'ai pas encore eu en termes d'arcaniste, équipement arcaniste. Et après j'aurai toutes les armures. J'aurai eu toutes les armures de l'arcaniste. Du coup, l'avantage, c'est que du coup, il faut que je continue de farmer sur l'arcaniste. Parce que du coup, il va continuer de me donner des armures jusqu'à ce que j'en ai plus. Donc, normalement, il en reste qu'un seul. En aléatoire. Et du coup, derrière, les engrammes exotiques, ils me donneront uniquement des armes, du coup. Parce qu'il me reste que ça. Et genre, lorsque j'aurai terminé toutes les armes, il y aura donc toutes les armures de chasseurs. Voilà. Qui sont plutôt pas mal. Et pareil pour les titans. Après, pour ce qui est d'ornement d'armes, voilà, vous avez pas mal de trucs. Genre, il y a ça. Ok, bref. Bon, on est à 47 minutes. On va s'arrêter là, messieurs, dames. C'était tout pour cette session. C'était cool. Je referai donc certainement des vidéos de ce genre pour la suite du pass saisonnier de Destiny 2. Et sinon, bah voilà, c'est peut-être la dernière que je fais avant un bout de temps. Mais normalement ça va quand même arriver parce que le pass et l'aventure est loin d'être terminée. Bref, c'était tout pour cette vidéo, c'était Oscur, à la prochaine.